السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة إذن رمضان مبارك سعيد لجميع متابعي قناة بروف فاطمة داخل المغرب وخارج المغرب ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إذا ما تنسوش كذلك تضغطوا على جام باش تزيد القناة إلى الأمام وأستمر في وضع المزيد من الفيديوهات aujourd'hui, on va faire la page 82 du petit mathémathe, la cinquième année primaire. Les leçons d'aujourd'hui, c'est la mesure du temps, conversion, addition et soustraction, nombre, sexagésimo, la destinia. pour faire des calculs sur les, les mesures du temps, on doit convertir une unité. En une autre unité. Comme vous voyez, par exemple, si j'ai une minute, une minute égale combien en secondes Égale 60 secondes. Si j'ai une heure, une heure égale 60 minutes. Regardez, je convertis les heures en minutes les minutes en secondes je peux convertir aussi un jour égal 24 heures 24 heures et une semaine égale toujours une semaine égale euh, 5 jours plutôt une semaine égale 7 jours donc il faut toujours Savoir qu'une minute égale 60 secondes, une heure égale 60 minutes. Par exemple, une heure égale, si j'ai une heure et je dois la convertir en secondes, une heure égale 3600 secondes. Une heure égale 3600 secondes. Donc, euh, comment je convertis une minute en... Euh, plutôt une heure en minute égale 60 minutes, et une minute en seconde égale 60 secondes. C'est pour ça que je vais multiplier 60 par 60 pour avoir 3600 secondes. Donc, euh, on commence le premier exercice. J'écris l'heure du matin et l'après-midi dans chacun. Donc, vous savez que la journée, il y a 24 heures. 12 heures pendant la journée et 12 heures pendant la nuit. Donc, euh, on a 12 heures par exemple, on a une heure, 12 heures pendant la nuit égale 24 heures. Donc, 24 heures, on sait qu'on a 24 heures pendant une journée. Donc, ici, c'est 24 heures. Et on passe à une heure. Une heure du matin. 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures. À, à, à midi, on a 12 heures. À minuit, on a 24 heures. Donc 24 heures, c'est 00 heures qui va se transformer en 1 heure, 12 heures et ainsi de suite. On a 12 heures à midi, 1 heure l'après-midi, c'est 13 heures, 14 heures. 15 heures. 16 heures. ici, c'est 17 heures. si c'est 18 heures, l'après-midi. on a 19 heures. 20 heures. 21 heures. 22 heures. 23 heures. Et on revient 0 heures, 1 heure, 2 heure, heures et ainsi de suite. Donc maintenant, j'écris l'heure du matin et de l'après-midi dans chaque cas. Regardez le matin et l'après-midi. Le matin, 8 heures. Donc j'écris 8 heures. Donc le matin, j'écris 8 heures. 0 minutes, bien sûr, 8 heures. L'après-midi, qu'est-ce que je dois écrire? 20h. Heures. 20h. Heures. 0 minutes. Ici, le matin, 6h15. Chaque petite graduation, il représente une minute. Donc, on a ici 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Par les minutes, regardez ici, j'ai écrit par l'heure. Maintenant, je vais écrire par les minutes. On a 5 minutes. On a 10 minutes. 15 minutes. Plus 5, 20 minutes, toujours plus 5 minutes, chaque petite graduation le représente une minute. On a 25 minutes. 30 minutes. 6, 30 minutes, la moitié. Une demi-heure, 30 minutes. 35 minutes. 40 minutes. 45 minutes. 50 minutes. Et 55 minutes. Et 12 heures, on a 60 minutes. Une heure, c'est 60 minutes. Donc, on va écrire, on a 6 heures pendant le matin, 6 heures 15 minutes. J'écris 6 heures 15 minutes. L'après-midi, qu'est-ce que je dois écrire 6 heures, c'est 18 heures. 18 heures, toujours 15 minutes. 18 heures 15 minutes. Et si on a. 4 heures, regardez euh, la petite aiguille qui indique les heures. Il n'est pas euh, il est entre 4 et 5. 4 heures et 5 heures. Donc on n'a pas encore 5 heures. On a seulement 4 heures. Et combien de minutes? 40 minutes. 4 heures, 40 minutes. On doit écrire 4 heures 40 minutes. L'après-midi, qu'est-ce que j'ai 4 heures, j'ai C'est 16 heures. 16 heures, 40 minutes. Les minutes ne changent pas. 40 minutes. Maintenant, l'aiguille est à la 9 heures. La grande aiguille est euh, 5. Donc, 9 heures, 25 minutes. 9 heures, 25 minutes. L'après-midi 29h c'est 21h ici c'est 21. J'écris bien 1. Ici c'est 21h heures. 21h heures, 25 minutes. Oui. Donc je passe, j'espère que vous avez compris. Je passe au deuxième exercice. Je complète. On a ici le départ, l'arrivée et la durée du voyage. il est toujours inférieur à 12 heures. Donc euh, comme vous voyez il faut appliquer ici des règles. on a le départ, regardez le départ plus la durée de voyage égale la durée égale l'heure d'arrivée. Donc je vais écrire l'exercice 2, Ici, il faut appliquer ces règles dans cet exercice. On a l'heure de départ, de départ, plus la durée du voyage, euh, plutôt durée, du voyage, égale la durée d'arrivée. Ou l'heure d'arrivée. Égale l'heure d'arrivée. Égale l'heure d'arrivée. Donc, on prend le premier cas. On va chercher la durée de voyage. On cherche la durée de voyage. Le départ, il est à 3 h minutes. L'arrivée, elle est à 7h50 minutes. Et on va chercher la durée de voyage. Donc quelle opération on va faire, la soustraction. Regardez la durée de voyage, à la durée de voyage pour trouver la durée du voyage. La durée du voyage, euh, oui ici seulement la durée du voyage, la durée du voyage égale garder la durée du voyage égale l'heure d'arrivée, l'heure d'arrivée, oui l'heure d'arrivée, moins l'heure de départ, l'heure de départ, l'heure de départ. Donc on va ensuite, si on veut chercher l'heure de départ, maintenant on veut chercher l'heure de départ. Ce sont des règles, il faut les apprendre. L'heure de départ. Pour chercher l'heure de départ, l'heure de départ égale, regardez l'heure de départ, égale l'heure d'arrivée moins la durée de du voyage. L'heure d'arrivée, l'heure d'arrivée moins la durée du voyage. Maintenant, j'applique ces règles pour résoudre cet exercice. Maintenant, j'ai l'heure de départ et l'heure d'arrivée, je cherche le, la durée du voyage. Regardez la durée du voyage, c'est l'heure d'arrivée. On a ici ces 7h50 minutes. On a 7h50 minutes. Oui, 7h50 minutes. Moins quoi? L'heure de départ. L'heure de départ, c'est 3h5 minutes. Donc, moins 3h5 minutes. Donc, pour résoudre ces opérations, je dois résoudre les minutes tout seul et les heures tout seul, comme vous voyez. Donc, regardez, 4 heures. Ici, 10 moins 5 égale 5. Et 5 moins 1 égale 4. Donc 4 heures 5, 45 minutes. C'est ça la durée du voyage. Regardez la durée du voyage. 1, 2, 3, 4 heures 45 minutes. Donc on va écrire 4 heures 45 minutes. Maintenant... Le deuxième cas, la durée de départ, il est à 8 h 23 minutes. On va chercher l'heure d'arrivée et la durée de voyage, c'est 4 h 50 minutes. Pour chercher l'heure d'arrivée, comme vous voyez, euh, oui, l'heure d'arrivée, c'est ça, l'heure d'arrivée, c'est l'heure de départ plus la durée de voyage. Donc, euh, le deuxième cas, l'heure... De départ, c'est 8h23 minutes. 8h23 minutes. Plus quoi? Plus la durée du voyage, 4h50 minutes. 4h50 minutes. Donc, et je fais l'addition. On a 3, 7, 12 heures. Donc au début, on sait que une minute égale 60, ou là une heure égale 60 minutes. Donc je convertis, qu'est-ce que je dois écrire? Je convertis les minutes en heures, les minutes en heures. Je vais les convertir. Les minutes en heures. Donc, on a ici 73 minutes. Regardez, 73 minutes égale 60 minutes plus 13 minutes. Donc, 60 minutes, c'est 1 heure plus 13 minutes. C'est comme ça que je convertis. Donc, 1 heure, je vais les rajouter aux 1 heure. Donc, on a 13 heures.

Il donne 13 heures, 13 minutes. Il donne 13 h ici c'est 13 heures, 13 minutes. C'est ça l'heure d'arrivée. Donc ensuite on passe à la dernière. On va chercher l'heure de départ. Donc, regardez, l'heure de départ, c'est l'heure d'arrivée moins la durée du voyage. Donc, euh, ici, l'heure d'arrivée, c'est 6h35 minutes. On a 6h35 minutes. Moins quoi Moins 7h9 minutes. On va moins 7h, la durée d'arrivée, oui, moins la durée du voyage. 7h. 9 minutes. Oui, l'heure de départ égale l'heure d'arrivée moins la durée de voyage. Donc, euh, qu'est-ce que je remarque ici Est-ce que je peux retrancher 6 heures de 35 Ici, ils se sont trompés. Sûrement, c'est 18 heures. Euh, c'est 18h ici. 18h, donc c'est l'après-midi au lieu de 6 heures. On va la transformer en 18h pendant l'après-midi. Donc, on va écrire ici 18h. Heures, 18h. Heures, donc, on a 5 moins 9. On peut pas, 15 moins 9 égale 6. 3-1 2 8-7 ايقال 1 1-0 ايقال -1. وي oui. اذا 11 اهر 26 مينوت 11 اهر مينوت اذا لاحظوا الانطلاقه كانت مع 11 دقيقة اذا الوصول مع ستة العشية وخمسة وثلاثين دقيقة ومدة euh, مدة لو فواياج لا فواياج إذا مدة السفر كانت سبعة ساعات وتسعة دقائق إذا هنا ما كانش عليهم يكتبوا ستة كان عليهم يكتبوا ديزويت جو كومبليت سانك Donc, il y a 5 semaines, une semaine égale 7 jours. 5 semaines égale 7 fois 5. 5 fois 7 ou 7 fois 5 égale 35 jours.

il 72 heures. Donc, on va écrire 72 heures. Donc, euh, oui, on a 7 heures. Combien en minutes? Une heure. a une heure. Regardez, c'est très important d'apprendre les conversations. Il donne une heure. On a 60 minutes. Donc 7 heures, c'est combien? C'est 7 fois 60 égale 420 minutes. Donc c'est 420 minutes, 420 minutes. Donc une demi-heure, une demi-heure, c'est 30 minutes. 30 minutes, 30 minutes, un quart d'heure, 15 minutes. On a 5 minutes, combien en secondes Maintenant, 5 minutes, combien en secondes Donc, on sait que 1 minute égale 60 secondes. Donc, 5 minutes, on va multiplier 60, 5 fois 60, égale 300 secondes. La réponse est 300 secondes. 6 minutes et demie. Donc, 6 minutes et demie, c'est 6,5. 6 minutes et demie. Il donne 6,5. On va la multiplier par toujours par 60. Égale combien? Donc, on va faire l'opération 6,60 fois 6,5. 0,30. Et 0,36. Donc 0, 0, 9 et 3, 390 minutes. On va la... Euh, Seconde plutôt. 390 secondes. Deux heures. On a 60 plus 60. C'est 120 minutes. 120 minutes. Donc on a 60 minutes. Plus 60 minutes égale 120 minutes. Et on va la multiplier par 60 pour trouver les secondes. 120 multiplié par 60 égale. On a 6 fois 2, ça fait 12. 6 fois 1, 6. Et 1, 7. Donc, c'est 7200 secondes, 7000. 200 secondes. Donc, je peux appliquer la, ce que j'ai écrit au début. J'ai euh, oui, écrit que 1 heure égale 3600 secondes. Donc, euh, une heure égale 3600 secondes plus 3600 secondes égale 7200 secondes. 4 heures 15 minutes, combien en minutes? On a 4 heures 15 minutes.

35 minutes, 50 secondes, combien en minutes Bien sûr que c'est 35 minutes. Et 50 secondes, ils ont oublié les secondes. On a 7 heures, 13 minutes, 25 secondes, combien en minutes On a, euh, oui, donc 7 heures, 13 minutes, 25 secondes. Donc 7 heures fois 60, toujours 7 heures fois 60 pour les convertir en minutes.

Et On passe au, à l'exercice suivant. J'observe et je complète. On a 8h17 minutes 38 secondes plus 13 secondes. Donc, euh, combien on va le chercher? Plus 13 secondes. On a 38 plus 13. Oui, je prends une feuille. On a 38 plus 13. On va faire l'opération. C'est 38 plus 13. Toujours, je fais l'opération. On a 8 plus 3. Ça fait 11, 4, 5. Donc, c'est 51 secondes. On va rajouter 25 secondes à 51 secondes. Donc, on a 8 heures, 17 minutes. 51 secondes plus 25 secondes égale 6, 7 minutes, on a 17 minutes et pour les heures on a 8 heures. Regardez qu'est-ce que j'ai? J'ai 70. 70 et 60 secondes plus 16 secondes. Donc minutes, 17 et 8 heures. Donc, Qu'est-ce que je dois prendre les 60 secondes et je, je vais les rajouter aux minutes? 60 secondes égale une minute, donc je vais rajouter une minute. Il va devenir 18 minutes. Donc la réponse est 18 minutes. Et combien de secondes? 16 secondes. 16 secondes. On va rajouter 20 minutes maintenant. Donc euh, 18 plus 20 c'est 38. 38. Minutes, 16 secondes. Et je vais rajouter 43 minutes. Donc, 38 minutes, je vais les rajouter. 43 minutes. Donc, on a 8 heures, 38 minutes, 16 secondes, plus 43 minutes. Égal. Toujours 16 secondes. Les minutes, qu'est-ce que j'ai ici? 10, 11... Et 8 heures, 8 heures. Donc, qu'est-ce que je dois faire Je dois dissocier 60 plus 21 égale, c'est en minutes. Donc, 60 minutes plus 21 minutes, 16 secondes, et 8 heures. Qu'est-ce que je dois prendre Les 60 minutes, je dois les déplacer, faire les heures. Donc, plus une heure. Donc, il va devenir 9h. 21 minutes, 16 secondes. C'est ça la réponse, c'est 9 heures, 21 minutes et 16 secondes. Oui, on passe à l'exercice 5. J'effectue les additions des durées suivantes. Donc, regardez, on a, je vais 8 plus 7, ça fait 15. 35 minutes.

102 minutes et euh, 10, 11, 21 heures. Donc, 21 heures, on va avoir 42 minutes ici et on va euh, convertir 60 en 1 heure. Il va devenir 22 heures 42 minutes. Oui, on a terminé la page 82. Au revoir